sais pas pour vous, mais l'hiver, c'est pas ma saison. J'ai un peu de misère avec nos nouveaux hivers québécois. Le froid finit toujours par me passer au travers du corps. Sans compter les tempêtes, le vent qui décoiffe, la neige qui fouette le visage et les camions de déneigement qui ressemblent à des chars d'assaut. Tout ça et le manque de luminosité, ça mérite. En théorie, l'hiver, c'est 3 mois. Moi, j'ai l'impression que c'est 6. C'est long. Pourtant, quand j'étais petite, j'aimais jouer dehors. Skier, promener ma sœur en traîneau, glisser avec mes amis. J'ai aussi le souvenir que mes parents m'amenaient au carnaval. Vous rappelez-vous? Quelles étaient vos activités hivernales préférées? Il y en a qui passent de longues heures à glisser, prendre l'air à la patinoire du quartier ou encore initier les enfants à la raquette. Pour d'autres, c'est la marche ou les débarques. Spectaculaire! La vieille capitale a mis ses beaux atours, car monsieur le carnaval est enfin de retour. Toutes les rues de la ville brillent de mille couleurs, et la gaieté scintille dans les cieux des promeneurs. Rions, rions, chantons, c'est le carnaval. Rions, rions, chantons, c'est le carnaval. Entouré des duchesses, le bonhomme carnaval, avec sa gentillesse, ouvre le festival. C'est au carré d'Youville que viennent lui dire bonjour tous les gens de la ville et ceux des alentours. Rions, rions, chantons, c'est le carnaval. Rions, rions, chantons, c'est le carnaval. Les gens viennent par milliers voir nos... En tant que blogueuse, le mandat qu'on m'a confié, c'est rédiger un article sur l'histoire du Carnaval de Québec. Je commence mes recherches dans l'ancien entrepôt du Carnaval. J'espère que ça va m'inspirer. Sur le sujet, je pars de loin et je dois livrer demain. Carnaval de Québec. Ça devrait pas être le contenu qui manque. Je commence comment? C'est quoi cette photo? Du monde déguisé? Hein, on dirait des travestis. C'est bien le fun. Ça doit pas avoir rapport avec le Carnaval de Québec, ça? Je suis peut-être pas dans le bon bureau. Tant pis. Bon, faut que j'avance. Trouver quelqu'un qui connaît bien le carnaval. Tiens, Jean Provencher. Intéressant, historien. Il est l'auteur du livre Le Carnaval de Québec, la grande fête de Québec. J'espère qu'il va être disponible. Je connais le carnaval seulement à travers mes souvenirs. Avec ma mère au château de glace. Les joues toutes rouges. Les jeux dans la neige. Des moments vraiment joyeux, magiques même, en compagnie des gens que j'aime. Ouais, les émotions que nous font vivre le carnaval. C'est un angle intéressant, ça. J'ai envie d'écrire un article qui fait du bien. Ouais, c'est ça. Raconter une histoire lumineuse. Bonjour, Jean! Salut, Virginie! T'es dans un moyen bordel! C'est le carnaval! Les effigies, le palais de glace! Hey, pour un historien, je vais te dire de quoi c'est trippant. C'est trippant parce que c'est très, très riche. Hein? C'est vraiment... c'est incroyable! Moi, je me suis installée. La seule chose que j'ai remarquée depuis que je suis arrivée, c'est... c'est cette photo-là de travestis
1959, moi, je comprends pas. J'ai hâte de voir. Là, pourquoi ça retient mon attention? Parce que, pour moi, le carnaval de Québec est beaucoup plus traditionnel que ça. Ça, c'est pas traditionnel, c'est flyé. Explique-moi ça, là. Mais belle, oh, hein? J'adore belle, la photo. Elle est vraiment belle. Puis, il y en a plusieurs photos semblables sur les mascarades au carnaval de Québec, mais on va commencer par le début. Puis, il y a une longue histoire. Ça commence en 1880. C'était pas le grand carnaval comme on connaît aujourd'hui ou qu'on va connaître à partir de 1955. Puis en même temps, il y en a un à Montréal. Puis nous autres, en 1880, on n'a pas fait d'autres l'année suivante, mais à Montréal, ils ont fait 80, 81, 82, 83. Puis là, un moment donné, à Montréal, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de climat pour ça parce qu'il mouillait. Ils ont abandonné l'idée d'un carnaval. Puis nous autres, à Québec, on s'est dit, vers 1891-92, « Hey, Montréal fait plus de carnaval. Ben, on va en faire un, nous autres. » Puis là, on a fait le premier véritable carnaval qu'on va appeler carnaval, avec château de glace, avec course en canot, avec des monuments de glace. Il y en a beaucoup dans les rues. On va retrouver déjà l'embryon du carnaval d'aujourd'hui, de 1955. Mais là, c'est drôle, le suivant, c'est 1902. Après ça, 1908. Fait qu'on tient pas le cheval, tu sais. C'est comme tout morcelé. Puis finalement, arrivent les années 1940. Puis là, c'est la guerre. The Canadian infantryman is well used to the rigors of battle drill and assault training. En hiver, il n'y a pas de problème pour le chômage parce que au moment de la guerre, parce qu'il y a de la job pour tout le monde. Là. On fabrique des balles, des vues, des tirs. On nourrit les soldats qui sont en Europe. Et là, la guerre se termine, 1946, puis on se rend compte que, encore une fois, le chômage à Québec. Puis il y a Louis Paré, un gars de génie, je trouve, qui est en charge de l'Office municipal du tourisme, qui dit « Hey! » Il y a eu des carnavals avant. Pourquoi on ne s'organise pas pour organiser un carnaval à Québec qui va donner de l'ouvrage au monde, non seulement qui va être intéressant dans notre pays d'hiver, mais qui va donner de l'ouvrage au monde? Puis c'est Louis Paré qui a eu la première idée d'un carnaval, et après, il rencontre Wilbrod Bérère, qui est la garde propriétaire de la gare d'autobus, Louis-Philippe Labondon, qui est propriétaire d'un restaurant qui s'appelle Carolu. Fait que les trois gars se rencontrent. Puis c'est vraiment les trois fondateurs du Carnaval de Québec d'aujourd'hui. Là. C'est Louis-Philippe Labondon qui va avoir l'idée de Bonhomme Carnaval. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que à deux semaines de l'événement, il y en a un qui dit... Il était pas dans les toits, là. Oui, mais il dit, ça nous prend une chanson. Oui, mais là, ce gars-là, Vézina, c'est le fils de Joseph Vézina qui avait fondé l'Orchestre symphonique de Québec. OK. Et c'est lui qui va créer la chanson de Bonhomme, la grande chanson, là. Carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, mardi gras, carnaval. Mais là, c'est démarré. C'est vraiment démarré, là, le carnaval qu'on connaît aujourd'hui. But premier, effectivement, ça de créer des emplois. S'il y a d'autres buts, c'est la joie en plein hiver, tu sais, je veux dire. Puis on s'habille chaudement. Ouais. On arrive, on arrête de nier l'importance de cette saison-là. C'est une série de volonté, d'espoir, là, tu sais, qu'on avait en créant cet événement-là. Moi, j'habitais sur la 54e rue Ouest. Si j'allais pas au carnaval, je l'entendais de mon lit, là. Est-ce qu'il y a eu des défilés dès la première édition du carnaval? Il y a eu des défilés dès la première édition du carnaval. Là, oui, c'est un des grands événements. Tu sais, je veux dire, on n'a jamais... Il n'y a pas une année où il n'y a pas eu un défilé du carnaval. Moi, tu me ramènes à Gaston Robert, qui travaillait chez Paquette à Québec, un grand magasin. Là. Et Gaston Robert, lui, préparait
le village du Père Noël. Et ça, c'était éblouissant parce que t'as le trône du Père Noël, t'as un petit chemin de fer, t'as les lutins qui dansent autour, tu sais. Puis les trois premières années du défilé du Carnaval de Québec, on engageait pour définir les chars allégoriques, les thèmes des chars allégoriques, des étudiantes de l'École des beaux-arts. Et après 3 ans, on s'est dit, ouais, ça prendrait quasiment quelqu'un de régulier, tu sais, où on va avoir une suite dans les défilés du Carnaval. Et là, ils ont débauché, ils ont engagé Gaston Robert, qui travaillait chez Paquette. Ils ont dit, venez travailler pour le Carnaval. Fait que Gaston Robert a dit oui. Et, au bonheur, il dit, Monsieur Provencher, j'ai eu un gros problème au début. C'est que chaque commanditaire voulait avoir sur le char allégorique son produit. Celui qui vendait de la bière, il voulait une grosse bouteille de bière. Celui qui vendait des autos, il voulait un auto. Tu sais? C'est pas un défilé de pub, là. Ben là, il dit, fallait que je les convainque que non. Non, c'est pas un... Pas un défilé publicitaire. Ouais. C'est un défilé pour s'amuser. Ouais. J'ai dit, dites-moi, en 28 ans, j'ai dit, vous deviez avoir des idées, des concepts que vous saviez à l'avance que c'est extra le monde. Les dragons. Puis il y en a des beaux, là. Ils en dessinaient parce que c'était pas toujours le même dragon qu'on sortait du hangar pour le ramener encore cette année. On concevait de nouveaux dragons, tu sais, il y en a eu des magnifiques. Et là, ben... C'est tellement passionnant ce qu'on dit, là, j'étais partie dans mes pensées. Là. excuse-moi. Quand je faisais mes recherches, Jean, je suis tombée sur les sculptures de glace. Est-ce que c'était partie intégrante vraiment du carnaval? Les sculptures de glace ont fait partie du carnaval depuis 1894. Puis on a eu à partir de 1955. Et un moment donné... Il y a une communauté, la communauté de la rue Sainte-Thérèse, je dirais, dans Saint-Malo, là, des quartiers de Québec. Quand les enfants étaient couchés le soir, d'abord, tu créais un monument devant chez vous. Au début, assez petit. D'autres fois, de plus en plus imposant. Puis ça peut être un chien qui s'en va d'une roulotte. Tu sais, ça dépend de la conception des gens de la rue Sainte-Thérèse. D'ailleurs, il y a une madame qui me racontait que je vais vous dire, M. Provencher, on prenait un coup aussi. Les enfants dormaient, mais on prenait... il faisait froid. Puis pour se réchauffer, tu sais, tu travailles des monuments de l'Est, là. Trouve-moi les gars qui sont plus... tu sais, fait que là, tu taponnes, mais faut que tu donnes un peu d'énergie. Ben oui, en don. Puis là, bon. Puis même, ça permet de mieux connaître les voisins. Et là, un moment donné, les enfants de Lionel Fauché, qu'on va appeler petit père,
en 1959, a dit à leur père, « Pourquoi vous ne créez pas, dans un demi-sous-sol, une sorte de bar? Pour se réchauffer, c'est des bancs, des longs bancs de bois, puis prendre un petit coup. » Puis là, Lionel Fauché va inventer le caribou. Et ça va devenir la boisson du carnaval. Là. Et les grandes cannes en plastique, tu pouvais remplir ça de caribou. C'est assez là, fort, ça, hein? Peut-être, je ne sais pas. Là, la rue Sainte-Thérèse a été récupérée par le carnaval. Le carnaval a dit, hey, on a envie de vous appuyer dans votre démarche. Là. C'est comme le tournoi Pee-Wee. Tournoi Pee-Wee. Vive le Pee-Wee du carnaval! Vive le Pee-Wee du carnaval! À l'origine, le tournoi Pee-Wee, il avait lieu au moment du carnaval, mais c'était pas une création du carnaval. Comment dire, on a pris le tournoi Pee-Wee, on a pris la rue Sainte-Thérèse. C'était des communautés, des rassemblements qui venaient nourrir le carnaval de Québec, tu sais? Mais il y a eu beaucoup de sports d'hiver, justement, beaucoup, au carnaval, que ce soit le canot... La première course en canot sur le fleuve, c'était en 1894. Puis on va la reprendre jusqu'à aujourd'hui. T'sais, la course en canot, c'est majeur. De course en raquette, parce qu'il y a eu des raquetteurs. Jusqu'en 1963, les raquetteurs défilent dans le défilé annuel du carnaval. Il y a de la course à pied, carrément. Ils ont fermé la côte Salaberry et le carnaval a su organiser des compétitions de slalom. Extraordinaire. Dans cette côte-là. Dans les sports d'hiver, il y avait aussi des courses de chiens. Puis à l'époque, les courses de chiens, là, c'est 3 jours. Hein? Je veux dire, ils s'en vont virer carrément dans les Laurentides. Puis après, il faut qu'ils reviennent à Québec. Puis la course se finit sur le terrain de l'estrade de course qu'on avait, qui a été démolie depuis le temps. Mais là, il y a 10 000 personnes qui attendent les gagnants de la course de chiens en question. Souvent, les meneurs de chiens venaient à Québec avec tous des chiens de la même race. Tu sais, mettons, des chiens esquimaux ou je sais pas quoi, là, tu sais. Okay. Mais M. Émile Martel, lui, qui venait de Loretteville, qui était déjà un champion, mon Dieu, durant les années 30, qui gagnait des derbys de chiens avec les chiens qui amenaient courir en Nouvelle-Angleterre, au Manitoba, parce qu'il y avait, des... Wow. Des coins où les gens aimaient beaucoup les courses de chiens. Ouais. Lui, il partait avec ses 9 chiens, puis on s'en va aux courses. Puis souvent, c'est Émile Martel qui gagnait le derby en question. On le voyait rentrer. « C'est Émile! Okay. Oui, c'est Émile! » Puis une vedette, là. Oui, c'est une vedette locale qui travaillait comme mécanicien, je pense, à la Ville de Québec, là, tu sais. Ce que j'aime dans le cas d'Émile, c'est que il ramassait les chiens que les autres détestaient. D'abord, il n'avait pas gagné le derby. Puis, mettons, il a rencontré un meneur de chiens qui connaissait de la Nouvelle-Angleterre, du Manitoba. Ah, ces maudits chiens, ces 2 maudits chiens-là, j'en veux plus. Tu sais, j'ai pas gagné. Fait que M. Martel, il dit donnez-moi la pied. Il constituait des groupes de chiens coureurs, pas du tout de la même race. Mais chacun avait leur force. Puis il n'a jamais utilisé le fouet, lui. C'est juste par ses cris. Ses chiens l'aimaient. Wow. Littéralement, il développait une relation quasi affectueuse. Il parlait à ses chiens, tu sais. C'est comme, puis je change de sujet, mais j'ai rencontré Gaston Fortier, qui a fait 50 palais de glace du Carnaval de Québec. Lui, il vient de Sainte-Brigitte-de-Laval. M. Fortier me disait, il disait, j'ai bien aimé ça. Oui, mais j'ai dit, le mauvais temps, par exemple, j'ai dit, c'est le mauvais temps, une petite pluie, là, ça abîme pas. Et c'est le réchauffement qui nuit à un palais de glace. Puis là, je le faisais parler. Puis il dit, une journée, mon cher petit gars, il faisait tellement froid
qui dit... Il y a un journaliste qui m'interviewait, qui me parlait en français, puis je me suis mis à y répondre en anglais. Wow! Je sais pas si tu vois, Virginie, ces gens-là, c'était des gens drôlement en santé. Tu sais, tu prends Émile Martel, tu prends Gaston Robert qui a fait les chars allégoriques, M. Fortier qui a fait 50 palais. C'est des gens qui ont un esprit... Là, des génies créatifs. Ouais, ouais. Jean, je peux-tu te faire un petit verre? Oui, 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 s'il te plaît. Hey, t'aurais-tu de la glace, s'il te plaît? Je prendrais de la glace avec. Assurément, mon Jean. Un des objets vraiment qui est relié au carnaval, c'est la ceinture. La ceinture fléchée, bien, ça, c'est qu'au départ, c'est effectivement, mais là, il n'y a pas de carnaval en question. On portait la ceinture quand elle allait dans le bois, hein, littéralement, ouais. En raquette, ouais. Tu sais, pour porter des charges, pour, tu sais, c'est vraiment, c'est un outil de travail, la ceinture fléchée, tu sais, puis... Mais ça a été pour identifier le Carnaval de Québec. Le bonhomme porte sa ceinture. Puis ils ont adopté le modèle... qui nous vient de Lanaudière, tu sais, parce que, entre autres, à Lanaudière, il y a beaucoup de femmes qui ont tressé des ceintures fléchées. Puis on voit en plein cœur une ligne de feu. Puis ça, c'est propre à la ceinture fléchée de Lanaudière. On vendait ça, là. Les trompettes... Oui. L'effigie du carnaval. L'effigie. Mais l'effigie était très importante, hein, parce que ça aussi, c'est un outil. Quand tu allais visiter un palais de glace, si tu n'avais pas l'effigie avec toi, là, tu étais emprisonné. C'est-à-dire qu'on prévoyait une prison dans le palais, tu y rouvres la porte, les gens rentrent, on ferme la porte de métal, puis là, ben, il t'emprisonnait pour 10 minutes. C'est bien drôle, ça. 10 minutes. Voyons donc. Oui, oui. C'est parce que c'est une activité de financement aussi. Ben oui. Le carnaval s'est beaucoup battu pour le financement. Mais hein? Là, on dirait que là, je commence à me rappeler de plus en plus que finalement, c'était partie intégrante de mon univers quand j'étais plus jeune avec mes parents. Juste de regarder les effigies, là. Toute la section du bas, là, la section 2000 jusqu'à peut-être 2010, là, je l'ai portée. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, là, les duchesses, là. Ils étaient-tu belles? Je regardais les duchesses, mais je me disais, un jour, je vais être... Un jour, je serai duchesse. C'était impressionnant pour un enfant. Il doit avoir des raisons pourquoi on choisit telle personne. Ils vont créer, en 1959, les duchés. Ils vont séparer la région de Québec en 7 duchés. OK. Dans chaque duché, on va retrouver une duchesse. Et cette duchesse-là va avoir le mandat de représenter le Carnaval de Québec dans son duché, de travailler à la vente de la bougie, de travailler de son côté. Puis c'était pas fou comme idée parce que tu décentralises ta présence dans la région, tu sais. Fait qu'il y avait une duchesse de Lévis que j'ai pu consulter. Elle a tenu son journal en 1968. Ouais. Puis tu vois quotidiennement c'est quoi le travail d'une duchesse. Tu sais qu'il faut qu'elle se lève à telle heure, puis il faut qu'elle se couche à cette heure. Tu sais, parce que... À ce point-là, ben, pour les duchesses du carnaval, il y avait ben, t'as des activités toute la journée, hein, ouais. Tu t'embarques. Ouais. Mais sans blague, Virginie, à l'époque, là, il y avait entre toi et 4 000 filles qui écrivaient au carnaval. Moi, j'aimais ça. Wow!
Mais moi, je dirais que les duchesses ont eu une belle présence dans le carnaval de Québec. Quand les rues de Québec sont remplies d'un air de fête, chantons le joyeux carnaval. Quand partout dans la ville vont danser garçons et filles, chantons le joyeux carnaval. Quand défilent les fanfares dans le joyeux tête-à-marre, chantons le carnaval. Quand paraît le bonhomme, tous les Québécois entonnent, chantons, chantons le carnaval. Puis là, il est venu un courant très difficile. Il y a eu les Folles Alliées qui ont créé une pièce de théâtre, tu sais, pour, s'en prendre plus ou moins l'existence des duchesses. Ça n'a pas été facile. On les a fait disparaître, hein, après 1995, puis on va et les ramener. Aujourd'hui hein. Aussi? C'est toute une histoire, tu sais. Puis moi, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là qui ont postulé pour l'aide. Puis tu parlais avec ces filles-là, puis... C'est pas des nounouches, là, tu sais, c'est pas... C'est du monde, c'est du monde articulé. Ouais. Jean, j'ai abordé le fait que j'avais trouvé une photo de travesti et par rapport, justement, au Carnaval de Québec, et, j'ai été agréablement surprise dans le sens où, moi, le carnaval, pour moi, selon moi, c'était un peu plus traditionnel que flyé. Là, cette photo-là... Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe et surtout d'où ça vient? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des balles vraiment flyées depuis le début du carnaval? Par la suite, ça s'est estompé? Ça, c'est une photo qui représente bien, là, mon Dieu, pendant presque 10 ans, mais ça n'a pas duré 10 ans. Okay. À partir de 1955, les gens se maquillaient, se déguisaient littéralement, tantôt avec un masque, tantôt pas de masque, mais tellement maquillé que tu sais plus, c'est un transsexuel. Bonne gens, chantez, dansez, c'est le carnaval. Venez au fac à danser, goûter au plaisir du bal. Québec est le merveille, revêt un air de fête. Une joie sans pareil, fait tourner la tête. J'ai demandé, c'est M. Pierre Tremblay. J'ai dit, pourquoi M. Tremblay? Parce qu'il est un bout de temps, je pense, à la direction générale du carnaval. J'ai dit, pourquoi vous avez mis un terme aux mascarades en 1963-64? Ils n'ont pas mis un terme aux mascarades. Il dit, c'est les gens qui... Pour qui les mascarades... Puis là, c'est la Révolution tranquille au Québec, hein, tu sais. C'est l'élection du gouvernement Lesage en 1960. La population évolue, là. On n'est plus, comment dire, dans un temps où c'était une manière de fêter. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que, tout d'un coup, je pense que c'est en 64, il n'y a plus d'activité de mascarade. Mais c'est beau à voir, ben parce c'est que... beau, c'est incroyable. Là, ici, c'est marqué 1959. Je veux dire, l'ouverture d'esprit en 1959 n'était assurément pas la même qu'en 2021. On s'entend. Non. Il y avait un charme aussi qui se glissait dans le carnaval de Québec au fil du temps, là, tu sais, de toutes sortes de manières. Mais l'histoire du carnaval de Québec a été pour moi une vraiment, mais vraiment des très grandes joies, là, tu sais. Puis tu regardes les photos, on attend le carnaval, la parade, tu sais. Puis nous autres, on avait... on avait des breeches, mais tu sais, les pantalons, les petits gars, en tout cas. On était habillés, c'était nous autres, des bottes en caoutchouc, tu sais. Puis tu regardes tout ce monde-là, là, tu sais, comment est-ce qu'ils sont placés. Puis culturellement, c'est le Québec. Si tu craches là-dessus, tu craches sur le Québec. Point. Au début, le carnaval, pour moi, bon, ça signifie il fait froid en tabarouette. Et moi, le froid, j'ai de la misère. Mais je pense que le carnaval de Québec, c'est encore plus gros que ce que je pensais. C'est extraordinaire. Bien, je suis content, Virginie, de t'entendre parce que c'est vraiment ça. Tu sais, c'est... Et, puis si on me demandait, par exemple, qu'est-ce qu'il faut retenir du carnaval de Québec, ce qui saute vite à l'œil... L'essence. C'est... Comment cet organisme-là qu'on a créé à Québec est arrivé à masser des foules et des foules, peu importe l'événement, tu sais, le couronnement de la reine, l'inauguration du palais de glace, n'importe quoi, les courses de chiens sur la rue Saint-Louis, partout les mascarades quand ils étaient en mode, là, c'est la glace complète du Colisée qui est pleine.
La rue Sainte-Thérèse, d'un bord et de l'autre. Puis tu regardes aussi loin qu'on peut regarder, il n'y a pas de place. Si tu veux pas aller plus vite sur la rue Sainte-Thérèse, non, non. Viens, je sais pas quand, en pleine nuit, parce que là, pousse pas après le monde, cher. Il y a bien, bien du monde sur la rue Sainte-Thérèse. Ouais. Hein, il venait de Matane. Puis on venait sur la rue Sainte-Thérèse. C'est la capacité que le Carnaval de Québec a eue de rassembler, de masser autant, d'intéresser autant de monde. C'est ça, j'en viens pas. C'est vraiment réussi. Hein? C'est certain qu'au fil du temps, le Carnaval, comme toute personne humaine, il y a des passages à vide. Hein? Je veux dire, à un moment donné, tu pognes un down. Ben, tu te renouvelles, tu dis, bon, ben là, envoie, grouille. Mais c'est normal, c'est ça que je dis aux gens. C'est vraiment... Ça va de soi, puis j'espère que ça va durer, tu sais, puis je sais que maintenant, il y a un petit groupe de personnes salariées, c'est des jeunes maintenant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de remplacements de gens de mon âge, qui étaient très utiles, il n'y a pas de problème en leur temps, mais c'est important que ça soit, comment dire, réinvesti par des jeunes, tu sais, avec une pensée jeune aussi, pour un carnaval actuel, au fond, tu sais. Honnêtement, là, je suis fascinée. Mais le temps file, je suis obligée de partir. Je suis pressée, puis le temps file. C'est correct, ce fut un plaisir, mais on se voit au carnaval. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est oui. C'est un rendez-vous. C'est toujours un événement incroyable. Je l'ai vu au fil du temps, puis pourquoi c'est pas la même affaire maintenant? À leur voyure, chère. Hey, merci. Salut, Jean, à la prochaine. Prions, chantons, c'est le carnaval. Ouais, ben c'est vraiment un bon conteur, ce Jean. Tellement d'anecdotes et d'histoires touchantes. Bon, pour le volet historique, je suis OK. J'ai besoin d'un autre point de vue sur l'évolution du carnaval. Qui peut bien me parler de cet aspect-là? Oyez, oyez, que l'on danse une ronde autour des murs de la capitale. Bonhomme, bonhomme. Florence Bisson, ethnologue, auteure du mémoire « L'esprit du carnaval de Québec ». Prions, chantons, c'est le carnaval. Filles et garçons, allons crier au monde. Oyez, oyez, que l'on fasse une ronde autour du bonhomme carnaval. Prions, chantons, c'est le carnaval. Pour la plus belle des... À Québec, ça commence royalement. J'ai même pas pris le temps de regarder le décor. Il y en a des archives, hein? Des trompettes, des bruyants que l'on voit dans les vrais couronnements. Carnaval, mardi gras, carnaval. À Québec, c'est tout un festival. Carnaval, mardi gras, carnaval. Chantons tous le joyeux carnaval. Des hauteurs de Québec ou des villes, en passant par Sainte-Foy ou Saint-Foy, Virginie? Hey, salut Florence! Ah, salut, ça va bien? Ben oui, contente de te rencontrer! Oui, content merci de me recevoir dans ta caverne au trésor! C'est vrai qu'il y a du stock, ouais. Puis justement, là, je tiens dans mes mains une photo qui a été prise, je pense bien, à la voûte à Tipeur. Ça a l'air d'être la voûte à Tipeur sur Sainte-Thérèse. Et ça, c'est Tipeur lui-même! Clairement une phase de Tipeur. C'est vrai. Ça représente quand même bien c'est quoi le carnaval, là. Ah ouais? Bien, le caribou, c'est déjà un symbole assez important du carnaval de Québec. Puis quand je dis le carnaval, c'est important que tu comprennes que je parle pas nécessairement du carnaval de Québec. Je parle de la fête, le carnaval. Puis le carnaval, c'est une fête que plusieurs centaines d'années. Là, on parle d'une fête qui date du Moyen Âge. OK. Puis c'est une fête qui est l'opposition du carême. Donc, c'est une fête d'excès. Puis, qu'est-ce qui représente bien l'excès en général? L'alcool. On va dire ça de même, ouais. C'est très festif et c'est aussi l'occasion pour plusieurs de renverser l'ordre établi. Donc, c'est un symbole très important du carnaval, d'élire un roi,
qu'on va souvent brûler sur la place publique à la fin du carnaval. Il va se créer un nouvel ordre social, l'ordre de la fête. Donc, ouais. Le carnaval, c'est la fête des fêtes. Ça, c'est très important à comprendre quand on réfléchit à c'est quoi le carnaval. Mais là, la façon que tu me décris un carnaval avec les excès et tout, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est plus dans l'excès au carnaval de Québec? Bien, il y a plein de choses. L'histoire du carnaval, c'est une histoire d'évolution, d'adaptation. Ouais. Puis, dans le fond, on va suivre ce que la société veut. C'est passé dans les années 90, une volonté de ramener ça vers la famille. Donc, on a voulu couper un peu sur les excès, arrêter ouais. de mettre l'accent là-dessus, puis vraiment dire c'est une fête pour les enfants, pour la famille, pour jouer dehors, pour se tourner vers l'hiver. Tu me parlais qu'un carnaval, ça a son roi. On s'entend-tu que pour le carnaval de Québec, ben c'est Bonhomme? Sans aucun doute. Je dirais que les gens de Québec ont un attachement particulier à ouais, Bonhomme. Hein? C'est vrai. Fort, fort, fort. Je pense pourquoi? Que dès que Bonhomme sort, il attire l'attention de tout le monde. J'ai entendu des femmes crier « Bonhomme, je t'aime, marie-moi ». Ah oh, ouais? Bonhomme, c'est un sex symbole. Comment il est habillé, ça fait référence aussi à l'histoire canadienne-française. Donc, en fait, c'est l'habit des Patriotes. Puis l'habit des Patriotes était lui-même inspiré des coureurs des bois de l'époque de la Nouvelle-France. Donc, c'est aussi une façon de s'inscrire dans l'histoire, de dire, bon, Bonhomme Carnaval, c'est le représentant de notre nation, nous, Canadiens-Français, nous, Québécois. C'est intéressant. Un des aspects que j'ai pas abordé avec Jean, c'est par rapport aux visions du carnaval. Je pense que ça a fait en sorte que ça peut avoir changé le carnaval à un certain point. Ce qu'il faut comprendre avec une fête, comme n'importe quoi, c'est qu'il y a beaucoup d'influences. Ouais. Il y a des influences qui vont être internes, il y a des influences qui vont être externes. Donc, si on parle du carnaval qui est créé, bon, première édition en 1955, on va créer une fête, on va créer des activités en lien avec la fête. Puis, dépendant de la réception des gens, ben, ces activités-là vont perdurer. Ou être abandonnées. Ouais. Les visions, ben, elles vont s'inscrire aussi avec ce que la société veut. On parlait un peu du virage famille, si on pense entre autres au départ des duchesses. Il y a beaucoup de choses qui nous rappellent le carnaval. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on était capable d'intégrer autant d'objets significatifs? Il y a vraiment plusieurs symboles qui perdurent. L'effigie, c'est une façon de se rappeler Bonhomme en tout temps. Regarde, là, tu as un bon exemple de ceinture fléchée. Ça explique comment la faire. D'ailleurs, dans le temps, les gens les faisaient, leur ceinture fléchée. Hein. Mais ça, c'est un savoir qui s'est perdu un petit peu. Ma grand-mère en a fléché. Avec de la grosse laine, là, pas de la petite laine comme ça. Donc, nous, elles étaient pas aussi fines, aussi belles, aussi larges, parce que ça prend des heures à faire une ceinture fléchée. Donc, les gens qui faisaient la leur... Ils avaient la fierté de la porter aussi. Ben, clairement. Quand on se dit que ça prend... C'est beaucoup plus long que de se tricoter un foulard, là, de tisser une ceinture. Donc, de la porter, ça fait juste confirmer le sentiment d'appartenance au carnaval. Puis dire, moi, j'ai porté ma ceinture fléchée. C'est quand même extraordinaire d'avoir été capable de mettre toutes ces choses-là en place pour faire en sorte que... Il y a quelque chose à respecter avec la ceinture. Là. Comme avec tout, il y a des codes. Puis ça, ben, c'est le symbole de Bonhomme. Puis... Ouais. C'est bien important. Je me souviens d'une année où on visitait le palais de Bonhomme et il y avait sa salle de bain. Et on a presque vu notre Bonhomme nu. Ah ouais? Il avait enlevé sa ceinture fléchée. Il avait enlevé. Donc lui, c'est important, là. On peut pas le voir sans ça. Non, on peut pas voir Bonhomme sans sa ceinture. Ça rendrait les petites madames folles, je pense. Ah ouais? Le palais, c'est une œuvre d'art en partant. Et c'est un symbole super important. Du carnaval de Québec. Le roi, il a besoin de vivre quelque part. Puis en plus, c'est un bonhomme d'hiver. On peut pas le faire vivre au château Frontenac. Là. Il a besoin d'avoir son propre palais construit juste pour lui. Le
Le palais a changé d'emplacement plusieurs fois. La meilleure place dans les dernières éditions, ça reste devant l'Assemblée nationale. Parce que si on revient à la définition du carnaval lui-même, c'est d'établir un nouvel ordre. Si Bonhomme est le roi, sa fête, son pouvoir est plus grand que le pouvoir officiel et il se trouve directement en face de l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu un pied de nez aussi aux partis en place, faire comme aujourd'hui, Bonhomme, c'est notre roi. Les bals du carnaval qui ont plus lieu maintenant, est-ce qu'avant c'était significatif au carnaval, les bals? Mais il y a eu plein de choses. C'est sûr qu'avec les duchesses puis tout ça, ça donnait place à avoir un bal. Ouais. Ce qu'il faut se rappeler, par contre, c'est que si on fait un bal, on laisse beaucoup de gens dehors. Donc, il y a un peu cet esprit-là, sans doute, que ça n'allait pas avec le carnaval, de se dire c'est juste le roi et les duchesses qui ont le droit de faire la fête, alors que la fête, elle devrait être pour tout le monde. Okay. Puis la fête de tous, c'est quand, en fait, c'est au défilé. C'est le moment où les gens de Québec font la fête. Puis le plus important là-dedans, c'est qu'en fait, c'est plein de petites fêtes privées qui se rassemblent tout en même temps dehors, mm-hmm, pendant la parade. Puis après, tous ces gens-là vont retourner chez eux, continuer leur fête. Mes parades, c'était mes parents qui faisaient une fondue au fromage. On sortait une heure avant l'arrivée des policiers pour avec être la certain, grosse soupe d'hiver. Ah ouais, bien habillé pour être certain d'être les premiers bien placés, le proche des barrières pour voir la parade arriver. Finalement, les parents ils sortaient jamais. Puis on non. Puis on finissait par aller les rejoindre après la parade. L'essence du carnaval, quelle est-elle? C'est une question qui est lourde quand même. C'est quoi l'essence du carnaval? C'est large, hein? Est-ce qu'on parle du carnaval de Québec? Est-ce qu'on parle du carnaval dans le monde? Le plus important là-dedans, je pense que c'est la fête des gens. C'est ça le plus important dans le carnaval au sens large, c'est la fête des gens. Pour le carnaval de Québec, c'est peut-être la fête des gens qui vivent l'hiver. Parce que c'est ce qui nous définit le plus, en fait, ici, en tant que Québécois. C'est nos quatre saisons, puis l'hiver, c'est la plus forte, puis c'est la plus difficile, puis combien de gens n'aiment pas l'hiver? C'est une des grandes forces du Carnaval de Québec, c'est de rassembler les gens dehors. C'est vrai, vraiment. C'est de la chaleur humaine dans la période la plus froide de l'année. Donc, c'est vraiment ça, le Carnaval de Québec aussi, c'est de faire comme, hey, on a froid, mais on va avoir froid ensemble, donc on va être au chaud. C'est vrai, ça. Florence, je te remercie, parce que c'est très riche en informations. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on doit retenir vraiment du carnaval? C'est sûr que c'est personnel à chacun. Ouais. Je pense que ce qui est le plus important de retenir, c'est que pour toutes les fêtes, l'aspect de la nostalgie, ça reste déterminant et vraiment important. Donc, faut oublier un peu les critiques, puis se souvenir c'était comment être enfant. Puis quand on voit le carnaval, faut le voir comme si on avait 6 ans. Fait qu'il faut continuer de voir Bonhomme comme le roi de la fête, d'avoir envie de chanter, de prendre sa trompette, de vivre l'hiver ensemble. Parce que, comme on disait avant, l'hiver, ça éloigne les gens. Puis le carnaval, ben, l'idée, c'est de les ramener, puis de les réchauffer. C'est bon, ça. Hey, je peux-tu te demander quelque chose avant de partir? Oui, oui. J'aimerais vraiment savoir une photo de moi. Let's go, ben oui. Merci. C'est ta plus belle pose, là. Ouais. Wow! Voilà! Hey, merci Florence! J'ai hâte de lire ton article. Oh, merci! Hey, bonne fin de journée! À la prochaine! À la prochaine! Bye! Bye! Il y a du rangement à faire ici, hein? Débarrassez-vous de vos ennuis. Laissez faire vos misères. Mieux vaut tard que jamais. Après tout, le dernier des invités que je reçois fait partie de l'ordre de Bonhomme. Ça m'intrigue. Parmi les lumières et parmi les décorations. Il est aussi responsable de l'agenda de Bonhomme. Veulent crier leur joie, leur bonne humeur sur tous les toits. C'est fou. J'ai l'impression que chaque objet que je touche, trophées, médailles, banderoles, des articles de journaux, photos, est chargé d'histoire.
chaque morceau de vêtement a une âme. Vous avez mis votre belle ceinture du carnaval. Ben oui, Virginie, ça fait partie de nos traditions. Ben oui, ça c'est sûr et certain. Le président de l'Ordre de Bonhomme. Ben oui, c'est moi qui est là cette année après, après avoir succédé à deux autres qui ont fait chacun 10 années là, à la présidence. Donc, c'est ça, moi je suis là depuis 2 ans. Comment est né Bonhomme Carnaval? Mais dans le fond, Bonhomme, dans notre imaginaire, Bonhomme est né d'un flocon de neige. Ouais. C'est l'histoire nous dit que Bonhomme, dans le fond, a été façonné par des enfants qui ont pris le flocon, en ont fait 3 boules et puis ont fait un beau bonhomme de neige avec ça. Et lui a un vent magique lui a donné vie par la suite. Bonhomme, dans le fond, est un ambassadeur. Donc, Bonhomme voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup pour répandre la joie de vivre et puis faire connaître son carnaval et sa ville. Un personnage qui vraiment se distingue des mascottes parce qu'il parle, je pense. Effectivement, Bonhomme n'est pas une mascotte parce qu'une mascotte, ça ne fait que bouger, ça ne s'adresse pas aux gens. Donc, et Bonhomme, lui, il parle, puis il aime ça parler, rencontrer les gens, puis être chaleureux avec eux. Il est charismatique, il est chaleureux, comme vous venez de le dire. Puis il est taquin, en plus. Il est taquin. Bonhomme, il adore toujours se promener puis voir avec les gens, là, tu sais, voir s'il pourrait pas jouer un petit tour. Dans les garderies, il aime beaucoup raconter son histoire, comment il est né. Il va raconter aussi l'histoire de... Bonhomme a des gestes officiels, le baiser, le lever de la patte. Et Bonhomme se plaît beaucoup aussi à aller visiter les personnes âgées parce que Bonhomme a toujours dit « c'est eux qui ont fait mon carnaval, donc je me dois d'aller les visiter à chaque année » puis tout ça. Donc Bonhomme fait entre 800 et 1000 sorties par année là, pour visiter là, des gens. Bonhomme fait beaucoup aussi d'humanitaire. Donc, Bonhomme aime aller dans les hôpitaux pour apporter du réconfort. C'est très plaisant de faire ça. Un bonhomme généreux, disons-le. Un bonhomme généreux, oui. On a souvent copié Bonhomme. Nous, on dit toujours que Bonhomme est souvent copié, mais maladroitement. Et on se plaît toujours à dire que c'est nous qui avons la seule et unique copie, qu'on a l'original. Ben, et puis, c'est ça, nous, dans le fond, on dit toujours qu'il y en a un unique. Mais il y en a toujours 150 000 à vendre, donc on a des effigies qui... c'est un gros format, c'est une réplique de l'effigie 96, je crois, celle-là. Là. Est-ce qu'il y a des anecdotes marquantes de Bonhomme Carnaval? Des anecdotes, il y en a souvent tous les ans, parce qu'on a eu, des personnalités qui sont venues nous visiter. On a eu Grace de Monaco, on a eu beaucoup de personnalités aussi, comme les premiers ministres du Canada, les premiers ministres de Québec. Brookshay est venu. Donc, il y a beaucoup de personnalités à travers le monde qui sont venues visiter notre carnaval et à la fois aussi pour y participer. Donc, Est-ce que vous avez des folies de Bonhomme, des exemples de folies qu'il a déjà fait? Une folie récente de Bonhomme, c'est que Bonhomme a dû se mettre à jour au niveau de la technologie. Donc, on a beaucoup de plaisir à lui montrer comment fonctionne un TikTok. Bonhomme va avoir sa propre chaîne YouTube. Bonhomme aussi a commencé à utiliser les plateformes Zoom et Teams pour rencontrer ses gens, puis travailler avec nous aussi pour les rencontres d'équipe, tout ça. Là. Donc, À travers les années, Bonhomme semble vraiment, vraiment bien se conserver. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau physique à travers les années? Ben effectivement, Bonhomme est comme nous. Hein? On dit tantôt que c'était un personnage, donc il est vivant.
Bonhomme a pris aussi un peu plus de poids, tout ça. Ah, donc, oui? On se plaît toujours à dire qu'on lui ajoute de la neige, puis que, tu sais, qu'on le garde jeune et alerte. Là. Donc, effectivement, Bonhomme a pris des rondeurs avec les années. J'ai mis ma tuque pis mes beaux gants. C'est pas carnaval, c'est pas fête. Ni j'ai attelé ma belle jument. C'est pas carnaval tout le temps. Monsieur Hudon, vous êtes le président de l'Ordre de Bonhomme. Qu'est-ce qu'est l'Ordre de Bonhomme? Dans le fond, l'Ordre est pour réunir des gens qui ont donné beaucoup au carnaval, qui ont œuvré de façon exceptionnelle, tout ça. Il y a aussi des collaborateurs, partenaires qui peuvent se joindre à l'Ordre. On a aussi ce qu'on appelle, nous, des membres honoraires. Donc, un membre honoraire est soit le maire de la ville, soit un premier ministre, ou, ben non, un gouverneur général. C'est comme, si tu veux, une organisation rassembleuse pour réunir là, tous les gens là, qui ont... c'est un cercle d'amitié, dans le fond. Monsieur Hudon, est-ce que vous avez des faits marquants à me conter sur l'Ordre de Bonhomme? Dans les faits marquants, dans le fond, c'est d'accueillir à chaque année 4 nouveaux membres qui, c'est un plaisir de voir ces gens-là, dans le fond, qui se méritent d'entrer à l'Ordre pour tout ce qu'ils ont donné à notre grande fête hivernale, tout ça. Donc, c'est notre fait marquant annuel. Là, ça nous fait un plaisir de toujours... Et ouais. Bonhomme, ça lui fait toujours un plaisir de pouvoir remettre sa médaille à chacun de ses membres. Ouais. Qui est un collier, dans le fond, c'est là, on appelle la médaille de Bonhomme. Et à chaque année, va s'ajouter une petite médaille qui représente, dans le fond, un événement majeur qui s'est passé au Québec là, oui. durant l'année. C'est ça. Donc, on en a plusieurs ici. Comme ici, c'était le 400e de la ville de Québec. Celle-là signifie le Cirque du Soleil. Dans le fond, ici, c'était Lévis 2011, là, où il y avait eu... Là, vous en avez cumulé une couple. Moi, je suis à l'Ordre depuis 2006, donc c'est ça. Fait qu'à tous les ans, il y a une petite médaille qui s'ajoute là, au collier, comme ça. C'est donc cool, c'est hein? ça. Monsieur Hudon... Quelle est la chose que vous retenez le plus du Carnaval de Québec? Ben moi, je pense que c'est une fête hivernale qui est là pour durer. Après, c'est toujours le mois de janvier, février, toujours une période plus morose là, après les fêtes. Donc, ça amène aussi ça amène la joie de vivre à travers la ville de Québec, tout ça. Donc, je pense que c'est une des plus belles fêtes là, qui peut exister. Et puis, on est surpris quand on gravite près de la fête de voir combien il y a de Québécois et combien il y a de touristes étrangers qui viennent là, nous visiter à cette grande fête-là. Je me souviens d'avoir parcouru les plaines, tout ça, où c'était noir de monde. Là, donc, c'est vraiment, vraiment là, quelque chose là, de spécial là, de vivre près de la fête et de vivre aussi à travers la fête. Là, donc, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Merci à toi. Hudon. Ça fait très plaisant. Vraiment. Okay. Puis je pense que j'ai quand même beaucoup de stock pour mon article. En parlant tout à l'heure, on parlait de l'évolution de Bonhomme. Oui. Donc, en voici un exemple. Ce que vous allez voir aujourd'hui, soit au Château Frontenac ou à l'Hôtel de Ville ou dans différents endroits, c'est une réplique de Bonhomme, mais c'est pas du tout celui-là. Il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous allez voir des bonhommes comme ça, mais ils sont beaucoup plus fidèles à la représentation de Bonhomme. Là. Ça, c'était dans sa jeunesse. C'est ça. Dans ses premières années. Hey, merci, M. Hudon. À bientôt. Merci à toi. Ces dernières années, en plus de générer quelques 600 emplois, l'impact économique global du carnaval s'élève à environ 38 millions de dollars. Il manque un punch. C'est une série de volontés, d'espoir qu'on avait en créant cet événement-là. On arrête de nier l'importance de cette saison-là parce qu'elle est pas mal longue. S'il y a d'autres buts, c'est la joie en plein hiver. Quand on voit le carnaval, faut le voir comme si on avait 6 ans. Faut continuer de voir Bonhomme comme le roi de la fête, d'avoir envie de chanter, de prendre sa trompette, de vivre l'hiver ensemble.
Finalement, l'hiver, c'est pas si pire. On me demande souvent quel est mon plus beau souvenir du carnaval. C'est difficile de répondre, car en 67 ans, j'ai vécu tellement de beaux moments, intenses, touchants et surtout magnifiques. Vous qui croisez mon chemin, chaque moment que nous vivons ensemble m'apporte du réconfort, de la chaleur et surtout de la joie. Mais par-dessus tout, ce que je retiens et qui me fait plaisir, ce sont les sourires des jeunes et moins jeunes, la bonne humeur des citoyens et l'esprit de fête qui habite la ville. Bonhomme vous dit merci et salut!